Lève le machin à cheval. Oh putain. Oh putain le coup. Bonjour à tous. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Donc je suis avec le frérot qui est juste à côté de moi. Il va nous présenter ce magnifique SQ7. Donc inédit sur la chaîne. Hein. Vous avez vu beaucoup mon Q7. Et là aujourd'hui on a un SQ7 beaucoup plus récent. C'est quasiment les derniers. Hein. C'est là ouais, dernier, il me semble. Donc salut mon frérot. Salut frérot, la famille. Donc enchanté. Hein. Donc Pierre. Je vous présente Pierre qui nous a ramené son magnifique SQ7. Donc on t'écoute du coup, c'est quelle motorisation, SQ7, quelle année? 4 litres V8 tri-turbo, ouais. En 435 chevaux d'origine. D'accord. Et là, du coup, avec c'est full option, avec les grosses jantes en 22, tout le cockpit 3D. D'accord. Phare xénon à LED. Toi, tu l'as acheté comme il est. Hein. Je l'ai acheté tel quel, j'ai juste fait les vitres teintées et la reprogrammation boîte et moteur. D'accord. Donc comme vous voyez, on a un magnifique... Gris Daytona, il me semble, c'est ouais, ça ? Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Gris Daytona, avec les jantes qui lui vont super bien, qui sont un peu anthracite. Ça ressort vachement avec le véhicule. Le frérot, il a simplement retiré le logo à l'arrière pour que ça fasse un peu plus agressif. Et au moins, on reconnaît pas ce que c'est, parce qu'il y a des gens, ils savent pas ce que c'est. Moi, connaissant Audi, je sais tout de suite ce que c'est. Hein. Donc, tu as fumé les feux, tu m'as dit ? Ouais, fumé les feux, ceux de l'arrière aussi. Voilà, les feux. Là-bas, voilà. Ensuite, on a les grosses jantes en 21, comme je l'ai dit. 21. Ouais, oui. Non, 22. Ah non, t'as du 22. Ouais, 22. Ouais, je disais 21, ça faisait petit. 35, 22, ouais. Putain, ils sont énervés, hein. Ouais, c'est les plus gros qu'il y avait sur ces modèles-là. T'as des cales, non ? Non, 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 du tout. C'est d'origine. T'es à fleur quand même, hein. Je suis full d'origine. Ah ouais, hein. Et du coup, c'est quoi comme finition ? Il y a un pack spécial, pack... Aucune idée, non. Je crois que c'est le pack standard, hein, parce que j'ai pas de finition cuir Alcantara. Mais, ouais, mais je suis bête, SQ7, c'est S tout court. Ouais, je pense. Hein. Voilà, c'est un peu comme les M3 de chez BM, on va pas dire c'est un pack M. Non. Une fois, j'ai filmé celle de mon pote, j'ai dit, oh, c'est un pack M, c'est un pack M1, un pack M2. Il m'a dit, bah non, c'est une M tout court. Bah non, je suis con, ouais, S, SQ7. Ouais, SQ7. Même moi, tu m'as posé une colle. Du coup, on a la calandre noire avec le logo noir. Ce logo à l'avant, du coup, tu l'as changé ou... J'ai acheté sur internet. Et ouais. Je l'ai collé par-dessus le. Sous. D'accord, il est par-dessus. Ouais. Voilà, il est collé par-dessus. Ouais. Ah, ça fait vraiment d'origine. Hein. Je l'ai payé 4,50€ sur AliExpress. Voilà. On n'est pas obligé d'être. On n'est pas obligé d'être modeste pour aller sur AliExpress. On peut avoir des grosses voitures. On va tous sur AliExpress. Hein. Faut arrêter. Hein. Le payer 150€. Bah, c'est clair. Hein. Donc on a le magnifique logo SQ7 qui est là d'origine, donc les feux Matrix LED, c'est ça? Exactement, ouais. Donc voilà, t'as l'option radar aussi à l'avant? Oui, ouais, ouais, j'ai la caméra 360, radar, j'ai le Line Assist. Ouais, Line Assist, ouais. J'ai la détection des obstacles ou je sais pas quoi. Ouais, le side assist sur les ouais, rétros. Hein. Exactement, ouais, voilà. Moi sur le Q7, tu marches plus, c'est une option. Non, ouais, si, ouais, et tu sais comment il a grillé, moi? Non. Un jour, j'avais plus de batterie, j'ai changé la batterie et il marchait plus. Et ça m'a rappelé un collègue à moi à l'époque, il avait une S3, il avait changé sa batterie et au moment de rallumer le véhicule, radar de recul qui merde. Vous voyez, de magnifiques vitrages, franchement il est vraiment imposant. Là du coup t'es en suspension pneumatique. Suspension pneumatique, ouais. Et il est rabaissé au maximum là. Là je suis en dynamique là, ouais. Ah ça fait vraiment un look... Budibulbé. L'aileron d'origine. Tout en carrosserie. Mis à part les petits logos noirs que t'as mis, les vitres teintées. Voilà, c'est tout. Tout est d'origine, tout ouais. Tout est d'origine, ouais. Et tu comptes lui faire d'autres modifs, mis à part la reprog Je sais pas, j'ai pas trop d'idées pour l'instant. Ouais. J'ai pas trop d'idées, parce que je le trouve déjà très joli comme ça. Ouais, après si tu fais un truc de là, si je vais faire une céramique, je vais faire une protection céramique dessus. Pour protéger la carrosserie, ouais. Parce que franchement, sinon les coups de portière et tout ça, c'est même pas la peine. Mais non, je pense que d'origine, comme ça, il est bien, donc je vois pas trop ce que je peux faire de plus dessus. J'ai pas vu, t'avais le toit ouvrant, non? Non.
Ils existent avec le toit ouvrant? Oui, il existe avec le toit ouvrant, mais bon, le problème c'est que le toit ouvrant ça va vite et après tu sais, t'as des fuites, t'as des trucs. Ouais, c'est ce que je pensais, la même chose. En plus, ils sont. Je l'avais sur mon Audi A6 et j'avais des petites micro-fuites et tout ça. Ouais, en plus, sur les Q7, c'est très grand les toits ouvrants et c'est un peu merdique, quoi. Bah, je veux bien que tu nous montres le moteur, frérot, hein, le gros V8. Oh le mazou! Oh le mazou! Donc voilà, le magnifique 4 litres V8. Donc on a le cache qui est tout d'origine rouge comme ça, ça donne un look très agressif. Et c'est vrai que le moteur il est vachement balèze. Hein. Il est très gros. Ça me fait penser à la RS6 que j'avais filmé également. Ouais, c'est les mêmes moulins. Ouais, les mêmes moulins, ouais. Sauf que là on est en diesel et là, du coup, diesel, bah voilà. Ouais. Consommation qui est super, donc, super basse. Donc comme j'ai dit, 435. T'as une préparation à plus. J'ai une préparation à 520 chevaux et 1030 Nm. Et ça marche vraiment fort. Bah, tu m'en diras des nouvelles. Toi qui as eu beaucoup de voitures, déjà on peut le rappeler, t'as eu quoi comme véhicule? Moi j'ai eu RS6, j'ai eu S3. Ouais. J'ai eu Porsche Cayenne, Booster S, Audi A6 en 3 litres TDI en 300 chevaux. Et celle-là du coup. Et du coup, une S1 aussi, j'ai eu. Le plus qui t'a choqué pour toi? Ouais, c'est celle-là. Et pourtant, on est sur un diesel qui est lourd, qui fait plus de 2 tonnes. 45 exactement. Ah ouais, ouais, ouais. Mais ce qui est impressionnant là-dessus, c'est le couple. Ouais, voilà, il n'y a plus de minute. Moi, quand j'ai appelé mon collègue pour la reprogrammation, ouais, il m'a dit attention, ça va monter aux arbres. Je ne le croyais pas et au final, ça monte aux arbres. on va regarder le coffre du coup et après ouais, à l'intérieur. Donc coffre électrique, voilà, obligé. Donc ah bon, on a de la place. Hein. Ah voilà. C'est un 5 places hein, celui-là. C'est un 5 places. 5 places, ouais. Donc là, tu as les options pour rabaisser le véhicule pour, voilà, pour tes courses et tout. Tu as des rangements, tu as les LED d'origine. Ouais, il a le pack LED full intérieur. Tout d'origine qui change de couleur. Il y a 25 couleurs ou 30 couleurs. Ah ouais. Petit bouton pour le refermer du coup, qui est juste là. Ah, vraiment de la place, vraiment propre. Je me permets, je vais regarder l'intérieur du coup. Alors, on a un magnifique intérieur semi-cuir du coup. Ouais, cuir Alcantara. Cuir Alcantara avec les petits points là, ça rend super bien. Le petit accoudoir. Oh, il est vraiment spacieux. Ciel de toit noir. T'as les sièges électriques du coup ouais, à l'avant. Ouais, sièges électriques à mémoire chauffant. On a le son Bose également. Ah, ils ont bien retravaillé les finitions, hein, les pare-soleil. Ah, il est vraiment full celui-là. Ah oui, de toute façon, il y avait pas. De toute façon, sur le jour, il y en avait que deux. Et les deux étaient au même garage. Du coup, il y avait un 7 places ou un 5 places. J'ai pris le 5. Et t'as pris le 5 places du coup. Donc là, vous avez toute la partie pour régler les vitres, etc. Les boutons. C'est le porte qui s'allume quand qui s'auto-éclaire quand tu ouvres la porte. Ouais, ici, là, SQ7, ouais, ça s'allume. Là, on voit un petit peu. Ouais. Ça doit être joli la nuit. Donc là, vous avez les boutons pour régler le siège, le magnifique intérieur, le cockpit SQ7. Et c'est vrai qu'il est peu kilométré, hein. 100 000, c'est rien du tout. Hein. Ouais, c'est un fin de rodage. J'y croyais pas quand tu m'as dit 100 000. Hein. Je te jure, je m'attendais à moins. Hein. Ah, mais oui, moi enfin, le tu me l'avais dit sur Instagram, mais. Mon collègue, il m'a dit, mais il est à 30 000 ton truc. Ouais, mais il est vraiment propre. Hein. Donc là, vous avez toute la partie là. Regardez le nouveau pommeau SQ7, les accoudoirs là. Franchement, c'est magnifique l'intérieur. Les sièges siglés S, t'as les appuie-têtes qui se règlent électroniquement, je pense. Non, c'est manuel. Ah, c'est manuel, ouais. Ouais. Ils sont super beaux, les sièges, en tout cas. J'ai jamais vu un Q7, les nouveaux d'origine, mais je pense que ça n'a rien à voir. Hein. Boîte là, on 8, est vrai. En boîte 8, t'es, ouais. Boîte 8, ouais. Oh, j'ai l'assistance pour les descentes, ouais, c'est le plus gros. Ah, il est vraiment joli. Alarme, du coup, dessus? Ouais. Alarme d'origine, Audi. Alarme d'origine et tracker. Obligé. Sinon, ah ouais, moi c'était pareil, hein. Pourtant il est vieux le mien, ils m'ont dit si vous êtes 175 euros par mois. Ah ouais, en tout risque, et pourtant j'ai 50% de bonus. Ah ouais, ouais, et, bon, ils m'ont dit, et c'est dur d'assurer des véhicules comme ça en tout cas. Ah, moi ça va, je l'ai assuré avec ma société, donc du coup ouais, ouais, ça parce passe, que sinon ah, moi, c'est... sur internet j'ai regardé, j'en ai pas trouvé un seul. J'ai dû faire 3 assurances, ils me demandaient un tracker, j'ai dit mais il est vieux le truc, il est 2008 moi le Q7. Ah, mais moi j'ai tapé sur les furets, pas un seul qui voulait m'assurer, si April ou je sais pas quoi, 288 euros par mois. Ouais, ils veulent des garanties si t'as une société machin. Donc moi je l'ai fait passer avec ma société. Ah bah t'as bien fait. Maison Levallois sur Instagram si vous voulez me suivre. Ouais, n'hésitez pas en tout cas, tes réseaux du coup c'est. Ouais, Maison Levallois et Pierre 6969693 pour mon snap. Ça marche, pas de soucis. Donc n'hésitez pas à aller lui donner de la force au frérot, hein. Ça fait plaisir. Hop.
m'a saoulé le petit mazou derrière. Je veux bien goûter le bruit. Allez. J'espère qu'il y en aura un petit peu quand même. Ouais. Alors, il y a une petite sonorité. Hein. Moins que le mazou là. Ouais, je chante plus fort là. T'as le sound active ? Ouais. Ah, t'as l'espèce de bridage là. Ça ouais. Bah après, en roulant, ça fait un autre son déjà. Ouais, voilà. On t'entend arriver quand même. Hein. En tout cas, il est vachement beau. Bah écoutez, on va aller faire un petit essai routier. Vous allez nous en dire des nouvelles. Oh mais il se lève le machin à cheval. Oh c'est abusé. Il s'est levé le machin. C'est incroyable. Le truc il s'est levé. Il s'est levé le truc. Oh là là, c'est incroyable les gars. Franchement j'ai hâte d'aller faire un essai routier avec lui parce que là c'est... Voilà, on se retrouve à l'intérieur avec le frérot. T'es chaud ? Ouais, bah toujours. Frérot. Ça a l'air bien marché en tout cas. Je l'ai vu passer le truc comme il se levait. On va par où mon frérot ? Eh ben, faut que tu sortes du coup là-bas tout droit où il y a la 207. Et après je t'indique. Donc là, en manuel et dynamique. Là t'es au maximum, ouais. Voilà, manuel dynamique. En tout cas, on est bien installé. On sent qu'on est sur la haute gamme quoi. Tu sens que t'es dans les nouvelles caisses plus récentes là, faut t'aller là-bas. Et ça ronronne. Ouais, ça ronronne dehors, ça faisait dehors, beaucoup ça plus fort. Bien. Ouais, en roulant, ça faisait plus fort qu'à l'arrêt déjà. Il faut que t'ailles là. Et au stop à gauche. Ok. En tout cas, on en est bien. C'est confortable. Ah, c'est confortable. T'as fait des longs trajets avec du coup ? Ouais, je vais presque tous les week-ends, je vais sur Grenoble. D'accord. Ouais. Sur Clermont, pardon, j'ai mon beau-frère qui est là-bas parce que je fais pas mal de VTT. Ouais. Donc je vais là-bas, c'est une balade. Et ça consomme ou pas trop du coup sur l'autoroute ? Là, tu vois, par exemple, je vais te dire. Là, allez, si on regarde. Là, je suis à 15 litres. Ouais, mais t'as bombardé un peu là. Ouais. Et 13 litres de moyenne. Mais sur l'autoroute, tu descends à 8 litres facile. Je suis à 9 litres, 9 litres. Ah ouais, ça consomme rien. Ah non, ça consomme rien par contre. Là, tu peux appuyer si tu veux. Ah ouais, ça marche. Ah ouais, sa mère. Avoue que t'ailles à droite là. Oh, il pousse hein. Oh là là. Ah, il marche hein. Ah, ça pousse hein. Franchement, je suis choqué. Ah, tu sens le couple, là, on sent. Tu sens les Newton-mètres. Ah ouais, c'est abusé, hein. Et puis, comment c'est confortable, c'est un truc de fou, hein. C'est ça, tu peux rouler à 250. Oh, comment il est parti. Je te jure, on aurait dit le Space Mountain. C'est exactement ce qu'on me dit. On me dit que ça fait des chatouilles dans le ventre quand on accélère. J'en dis, ouais, ouais. Ah, mais c'est un truc de fou, là. Vitesse max de 89. Et toi, frérot, ça va derrière? T'es bien installé, ouais. Je suis pas bien installé. T'es habitué, du coup, toi? Un peu, ouais. Ah, il marche, hein. T'as déjà fait une vitesse de pointe? Ouais, 2,89. 2,89 avec la reprog? Avec la reprog. T'étais à fond ou tu penses non, qu'il non, pouvait. Non, il avait encore de la marge. Et il est monté vite? Ah ouais. Là, faut que t'ailles à gauche du coup. Vers quoi combien? Sans forcer, 2,40. Mais sans forcer. Ouais, ça marche. Hein. Ah ouais, ça marche. Hein. Putain, et ça freine bien quand même? Ah, ça marche. Hein. Ouais, va tout droit. Putain, fais gaffe, la route elle est un peu niquée ici. Ah, ça marche, hein. Franchement, je suis choqué. Hein. Ah, ça marche bien. Et la reprog, ils te l'ont poussé à fond ou ils pouvaient y aller? Non, j'ai de la marge encore, mais il m'a dit là, je te la mets comme ça et tiens, tu vois, il n'y a pas. Ouais. Tout droit? Tout droit, ouais. Il dit comme ça, ça bouge pas une oreille. Il m'a dit là, ton moteur il est à 10% de ce qu'il peut donner. Hein. Ah, et à 50%. Ah, ça repart vite. À 2500 hein. Tours, il a. Là. Et tu vois le panneau bleu là-bas? Yes. Par contre, prends bien large. Ici, j'ai tapé la jambe du Q7 dans l'angle là où il y a l'ego. J'avais fait une vidéo ici en plus. Ah ouais, il marche. Ah ouais, t'as la troisième là. Ah, elle est folle. Hein.
tient. Hein. Oh bah, le jour je l'ai fait partir. Ah, il marche. Putain. Attends, on va te faire un petit lunge control. Ouais. Il y a personne à gauche. Je vois. Oh putain. Oh putain le coup. Oh ça marche. Oh là là, le coup que j'ai eu là. Ah ça marche quand même. Putain. Putain, il grimpe le truc. Hein. Ah il monte aux arbres. Putain mais ça marche. Les herbes. Non non, j'ai le l'aide au freinage d'urgence s'il y a un problème. Ah ouais c'est cool. Putain comment ça repart. Ah c'est trop coupleux, c'est abusé hein. C'est le meilleur compromis aujourd'hui. Ah mais c'est un truc de fou là en montagne là. Ça tient. Hein. Ça tombe. Putain. Ah, je suis choqué. Je te jure, ça me rappelle les sensations de la RS6 quand même. Ah ouais, je te jure, il faut que tu montes en haut là. On va prendre un peu de rocade. Allez. Et on va retomber sur nos pas après. Il arrache. Hein. Ah, il arrache. Il s'arrête pas. Non, il s'arrête pas, non, non. Jusqu'à la 8, il y va. On sait jamais. Ah, ça marche. Ah. Déjà? Oui, déjà. Ah, je te jure, frérot, c'est un truc de fou. Déjà. Ah, il marche, hein, franchement, il marche bien. Hein. Moi, j'aime bien. Hein. Tout le cockpit 3D, tu vois, tu peux tout changer. J'avais pas vu le plafonnier là tout à l'heure. Ah, t'as l'écran qui sort du coup là sur ouais, le nouveau. Ouais. Tu peux le rentrer. J'ai toutes les lumières qui s'allument. J'ai un pack, tu sais, lumière à l'intérieur. Ah, il est vraiment beau. Hein. Franchement, c'est super beau là. L'alu brossé, le quattro, le laquais noir. Hein, moi, j'aime bien. Hein. C'est bien fini. Ouais, il faut que tu prennes direction mes yeux. Le volant mis plat, tu vois, comme ça. Et ce volant, c'est le d'origine ou SQ7, toi, ouais. SQ7. Magnifique, ouais. Ah, j'aime bien. C'est une bonne caisse, ouais. Ouais, c'est super confortable, en plus. Du coup, c'est une voiture que tu comptes garder, là. Ouais, franchement, tu vois, je voulais changer, mais qu'est-ce que je vais trouver de mieux. Ouais, parce que là, t'as tout. T'as la beauté, t'as la puissance, t'as le confort. Au jour d'aujourd'hui, je suis dans les niveaux d'une supercar, tu vois. Ouais, mais c'est vrai, ouais. Demain, je me mets tout côte à côte avec une Porsche, je la tiens largement. Non, mais ça marche en tout cas, franchement, c'est impressionnant. Ah, là, je sais qu'il y a des gens, ils vont. Oh, ça marche à mort. Putain. Voilà, voilà. Fais gaffe, les coulées d'air, je vais voir. Va tout droit là. Oh putain. Fais gaffe, des fois, là, ils sont. T'as reconnu la sortie, ouais. Ah ça marche fort. Putain. Ah ouais ça arrache. Ça arrache. Oh, tu m'as fait une frayeur là. Non toi je roule toujours comme ça. Parce que moi quand je vais voir tonton. Ah franchement c'est une bonne voiture. Dans ce budget là pour avoir un bon compromis, t'as trouvé le truc parfait. Non mais là voilà, c'est. Après pour une personne qui est dans un budget dans les 10, dans les 20, bah moi je vais te parler d'A4, toi t'as un vrai ouais, voilà, place. Ouais. Mais là dans ce prix là tu peux pas avoir mieux. Non. Un gros diesel qui est puissant, qui est sécurisant. Qui consomme rien quand tu roules tranquillement. Ah franchement c'est une très bonne voiture et ça marche vraiment fort en tout cas. J'ai acheté ma première BMW que j'ai eue. 330D. Putain. Ouais. Ah ça marche fort. Hein. Ah ouais. C'est important. Hein. Tiens, les premiers Q7. Comme moi. Ah ouais, bah comme mes parents ils ont exactement le même. En 3 litres ouais. Ouais. Ça marche mieux hein. Ouais. Ah. Ça marche mieux que le mien quoi. Bon en tout cas je suis bien content. Hein. Merci encore à toi de nous avoir présenté cette magnifique voiture. Force, hein. Voilà. Donc tu nous rappelles tes réseaux du coup. Donc pour Instagram, faut me suivre sur mon compte pro, c'est Maison Levallois. Ouais. Perso c'est Pierre Levallois. Et après mon snap c'est Pierre 69 69 69 3. D'accord, donc comme j'ai dit les gars. N'oubliez pas de lui donner de la force, ça fait plaisir. Donc moi, je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo. Et puis on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao. Merci à toi frérot. Merci la famille. Ciao ciao à les bientôt. Gars. Ciao.